La piste à l'horizontale, voilà. Mais il faut que tu accélères un petit peu. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, alors, deux mots sur ton projet, c'est quoi? Bah, monter une remorque food truck. Ouais, où ça? Sur la ville de Niort, sur un côté d'un supermarché. D'accord. Où il n'y a vraiment rien du tout. Et pourquoi? Parce que c'est... Donc, deux boulangeries, c'est tout. Donc, remorque et ensuite plutôt faire des événementiels aussi, des choses comme ça, non? J'ai pas encore pensé, mais peut-être, ouais. Oui. Il y a vraiment plein de choses à faire. Donc, en fait, tu es venu faire cette petite journée d'initiation. Tu es arrivé, tu savais... Rien faire du tout. Mais bon, il faut encore beaucoup, faut de la formation encore. Ouais. Et tu voudrais démarrer quand? Au mois d'octobre. Première semaine d'octobre. D'accord. Je suis attendu là-bas, première semaine d'octobre. Ouais. Et après, si ça marche, faire d'autres choses. Ça marchera parce que tu as quand même en toi déjà de la cuisine, de la pâtisserie. Pâtisserie. J'ai 20 ans de pâtisserie derrière moi. Donc, après, essayer de mettre un petit peu de pâtisserie. 20 ans, t'exagères, t'aurais pu faire 21 quand même. Hein. Oui. Essayer peut-être par la suite de faire un petit peu de pâtisserie aussi. Puisque tu fais, c'est un atelier dit d'initiation, c'est fait voilà. Pour les particuliers. C'est pas la formation pro de 4 jours que j'anime. Connaître le personnage déjà. Ah oui. Oui. Donc ça, t'es pas trop déçu? Non, c'est impeccable. Bon, il y a beaucoup de gens qui tournent à travers le monde, qui sont passés par ici. L'idée pour toi, c'est de travailler seul dans ta remorque. Oui, au début seul. Après, il faut voir s'il y a le débit, mais au début seul. Ouais. Ouais. Donc tu as vu, j'ai débordé un petit peu ce midi. Que, bien débordé même. Là. Oui, parce que tu avais beaucoup de questions aussi. Oui, il y avait beaucoup de questions. Mais tu as vu qu'on peut sortir de la sempiternelle galette pliée, etc., mode chausson, comme j'appelle. Ouais. Et qu'on peut envisager de faire plein de choses. Donc, je t'ai montré quelques trucs, mais ce n'est pas l'objet de cette atelier. Non, c'est pour ça que j'aimerais bien faire la vraie formation pour les... Ah, pour les futurs pros, quoi. Pour les futurs pros, pour connaître plus de choses que je ne connais pas. Bah oui, mais c'est normal. Moi, là, mon truc, comme je... Ça, là, c'est bien, mais pour les particuliers. Hein? Non, mais c'est ça, le truc, quoi. Pour les particuliers, c'est bien. Ouais. Mais pas pour un professionnel. Il me manque encore quelques formations. Ah bah, il manque, tu sais... Moi, je dis que quand on sait déjà faire ce que tu fais là, c'est la base. Oui. Après, c'est qu'est-ce qu'avec de ça et quelques ingrédients, quelles sont les limites, tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire des trucs et astuces en cuisine. Moi, en pâtisserie, c'est sûr que je ne t'arrive pas à ta première vertèbre, parce que c'est pas mon métier, tu vois. Mais voilà. Moi, par contre, j'ai tenu une crêperie, je l'ai créée, et j'ai tellement accompagné un petit peu plus de 400 crêpiers à travers le monde aujourd'hui, que je sais très bien ce qui va faire une réussite d'un échec. D'un échec. C'est-à-dire quand je dis se mettre la tête dans le mur, c'est très souvent, et c'est ce qu'on voit en 4 jours à travers nos ateliers, c'est les erreurs à ne pas commettre. Et les gens, ils les découvrent tout seuls. Donc moi, je te souhaite, alors ici ou ailleurs, de te former. Ici, non, ce sera qu'ici. Les autres formations, je les ai vues, c'est pas ça. D'accord. Moi, c'est, voilà, ici, si je dois faire une formation, ça sera ici. Tu réussiras, je vais te dire pourquoi. Parce que d'abord, tu as la main, tu vois. Et puis, deuxièmement, c'est que tu as osé faire juste 400 km aller-retour pour faire un petit atelier avec moi et Philippe qui est là-bas. Moi, je dis que ça, c'est de la volonté. Ah oui, moi, j'ai la volonté de le faire. Oui. Donc, et tu n'oublieras pas que si tu viens te former ici, que c'est moi le chef. Oui, c'est pas donc, moi. Donc, tu seras obligé de faire des courbettes. Enfin, oui, bien sûr, chef. Bon, oui, chef. Tu vas réussir. Bien, chef. Tu vas réussir. On va se manger un petit dessert que j'ai préparé. Ouais, que tu as préparé, qui doit être bien sympa. Ah oui, c'est sympa. Et voilà, si tu dois faire une formation, ça sera ici. Tiens, tu veux finir ça? Allez, prêt? Roule. Mets un peu d'huile. C'est parti, mon petit fiche. Allez, on met tout le reste, d'accord? J'avais oublié qu'il y avait le micro. Allez, on va faire une épaisse. Ah bah, c'est une épaisse. Oui, n'oublie pas, tranquille, bras souples. Voilà, arrête-toi. Là, elle avait juste revenir ici. Ouais. Ouais, c'est bien, bravo. Ah, pour une première fois, ça va? Bah attends, moi je vais te dire un truc. Il faut de la pratique. Mais en même temps, pour une fille, c'est bien.